Alors, pendant que Benjamin Bayard met une petite page sympathique, merci. Je voudrais. Donc, je voudrais vous dire merci à vous d'être venu. Remercier également à vous que vous commenciez. Donc, le Capitole du Livre s'est sponsorisé par pas mal d'entreprises, notamment Logilab, Sierra Wireless, Machina Corpus, j'en ai oublié, Open Pandora. Il y en a six. Vas-y, montre les sponsors un peu, quoi. On est un peu corporate. Il n'y a pas d'Ubuntu dessus, c'est bon? Ah bon. Pas trop. Elle n'est pas sponsor. En haut, tout en haut. Parce qu'à cette heure-ci, je n'ai pas de mémoire. Innovance, voilà, elle descend un peu. Et Cadable, Logilab, Machina Corpus, Pomodora, Sierra Wireless. Voilà, bravo. Merci. Je vais laisser la parole à Fabien, président de Toolibre, qui va. Je prends un petit papier. Allez, Bon, alors, ici, on est accueilli à l'ENSET. Donc, à l'ENSET, il y a aussi des clubs. Dans les clubs, il y a CAN7, donc c'est le club anime, TVN7, NET7, et le foyer, qui n'est pas vraiment un club, mais qui va nous accueillir ce soir, donc on les remercie. Ils nous ont tous aidés donc, pour filmer les conférences, ce qui va permettre à ceux qui ont raté la conférence ce soir ou les autres conférences de les voir aussi. Ils ont fait plein de choses, ils nous ont fourni du réseau. Et voilà, ils nous fournissent le réseau pour afficher ce genre de site. Donc on les remercie, ainsi que tous les bénévoles. Donc il y en a quelques-uns qui se cachent dans les coins. Il y en a d'autres qui bossent encore dans les autres salles, il y en a partout. Voilà. Bon, ils sont en orange, donc ils se cachent pas bien, mais ils essayent. Voilà, il y en a dans des coins, là, je les vois se baisser. Donc on remercie tous ces bénévoles qui nous ont aidés sur plein de trucs. Ouais. Et puis donc, je sais plus ce que tu voulais dire. Et donc, demain, ça continue puisqu'il y a des ateliers. Il y a des ateliers où on peut encore s'inscrire, notamment l'atelier Leaflet, si ça vous intéresse. On a rajouté des places. Vous pouvez aller sur le site du Capitole du Libre, programme, atelier. L'atelier aussi Pouillou, qui va proposer faire un roman en Creative Commons collaboratif. Donc n'hésitez pas, enfin, il y a d'autres ateliers, allez les voir. Et donc maintenant je vais laisser la parole au duo de choc. La communauté de l'anneau, on va dire, dans le rôle des hobbits. Lequel je vous dirai pas. J'ai les pieds poilus. C'est vraiment les pieds poilus. Donc voilà, merci à tous et bonne soirée, bonne conférence. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers compatriotes. On a tout préparé en fait. C'est super minuté, timé, En précis, tout fait, ça. c'est difficile d'être à la fois joyeux et sérieux, aussi sérieux qu'on devrait l'être. Et en même temps, c'est parce qu'on rigole qu'on arrive à déplacer des montagnes. Because it's fun, disait Linus Torvalds, comme sa motivation principale pour développer le noyau. Les amis, je pèse mes mots, on est en train de vivre un moment historique. On n'a pas le recul nécessaire à comprendre, on a pourtant l'obligation de prendre ce recul et d'essayer de comprendre. Edward Snowden vient juste d'avoir 30 ans. Ce jeune homme qui a été espion toute sa vie, qui croit dans les valeurs des États-Unis d'Amérique,
qui croit dans la constitution des États-Unis d'Amérique, qui croit qu'il faut légitimement combattre les ennemis intérieurs, extérieurs, etc., a fait ce choix de vie, a fait ce choix d'abandonner son pays, sa maison, ses amis, sa famille, sa petite amie, son boulot, son salaire, pour nous montrer quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. Et ce qu'Edward Snowden essaye de nous faire comprendre dépasse tout ce que nous étions avant pouvait imaginer de pire lorsqu'on se faisait traiter de paranoïaque, de conspirationniste, de tinfoil hat, etc., etc. Et donc, on est ici aux avant-postes pour essayer de voir le monde tel qu'il est et pour essayer de le changer. Donc, désolé si je casse un peu l'ambiance. Je me remettrai à chanter après. Non, déconne pas. Non. Non, non, soyons sérieux. Maintenant, tu as un micro, tu peux pas chanter comme ça. Il faut pas... ouais, tu pètes l'ambiance quand même. Je suis assez d'accord sur le côté historique de la chose. D'abord, un espion qui se retourne, c'est pas tous les jours. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la grille de lecture que ça donne et qui est à la fois très bizarre à lire. Un type qui est défenseur des libertés individuelles contre les gens injustement fliqués par leur gouvernement, qui fuit les États-Unis d'Amérique pour aller se réfugier chez Poutine. C'est quand même... C'est curieux. Et c'est curieux sur plein de niveaux de lecture. Ce qu'on soupçonnait déjà depuis au moins l'affaire Wikileaks, c'est probablement un peu avant, c'est que les États-Unis d'Amérique ne sont plus dans les défenseurs des libertés. Ça, c'est fini. Ça, c'était une idée toute faite des années 60, et elle n'est plus vraie. Je ne sais pas si elle était vraie à l'époque, je suis un peu trop jeune pour savoir dire. Mais en tout cas, maintenant, elle est devenue complètement fausse. Il faut d'abord essayer de comprendre ce que l'on peut lire de ce qu'Edward Snowden nous donne à lire. Ce que l'on voit ici, c'est les contours en filigrane d'une société totalitaire à l'échelle globale. C'est la preuve. Et c'est pas le premier marqueur. C'est pas le premier marqueur, mais on a là une preuve irréfutable du caractère global de ces violations de liberté fondamentale. Ce droit fondamental qu'est celui de la protection de la vie privée, on y reviendra peut-être, est massivement violé parce que on peut le faire. Et ça, je pense que c'est un des éléments absolument fondamentaux. Le deuxième élément, c'est que la surveillance étatique et la surveillance privée sont aujourd'hui devenues indissociables. Facebook, Google, Apple, Microsoft, Skype, Yahoo, et toutes celles qui n'étaient pas citées dans les slides de Prism, parce que Prism n'est qu'un des programmes de la NSA, sont devenus autant d'antennes du renseignement US, lui-même interconnecté avec les services de renseignement de nombreux autres pays, et eux-mêmes interconnectés avec ces centaines d'entreprises comme Raytheon, Palantir, Booz Allen Hamilton, qui était l'employeur de Snowden. Et donc, à tous les niveaux, les lignes sont brouillées entre la surveillance des États et la surveillance des entreprises. Une chose est sûre, c'est que cette surveillance est globale, que tous les individus du monde sont concernés. Et le pire est que du point de vue du général Keith Alexander, le chef de la NSA depuis 2007, cela fait presque sens. Si l'on peut surveiller le monde entier, il faut surveiller le monde entier parce que nos ennemis en font partie. Ça a l'air de rien, c'est un marqueur très classique. Alors pour le coup, moi en tant que fils de prof d'histoire, je me ramène toujours à des vieux trucs. Les gouvernements qui surveillent la totalité de leur population, c'est un marqueur classique des régimes dictatoriaux. C'est ce qu'on retrouve dans la Roumanie de Ceausescu, c'est ce qu'on retrouve fait par la Stasi en Allemagne de l'Est, c'est ce qu'on retrouve fait par le KGB à la haute époque soviétique. C'est un marqueur très classique.
du fonctionnement des régimes totalitaires. Et c'est pour moi un élément important dans la compréhension du monde. Je ne dis pas que les États-Unis sont devenus une dictature, c'est plus compliqué que ça. Ils continuent à voter pour leur président et ils élisent toujours systématiquement celui qui a le plus gros soutien financier. Ça simplifie la grille de lecture, si tu veux. Quand tu es patron du Dow Jones, tu vois beaucoup mieux qui va être élu. C'est celui auquel des deux on a le plus donné de pognon, enfin, c'est facile. Du coup, ça devient facile à prédire. C'est-à-dire, quand le monde de l'entreprise veut que ce soit Obama, c'est Obama. Et quand le monde de l'entreprise veut que ce soit un autre, c'est un autre. Pour moi, l'élément clé là-dedans, c'est de comprendre ce qu'on fait avec Internet. Beaucoup de nos politiques n'ont pas encore intégré, ou l'ont intégré et ne le diront pas parce qu'ils l'ont intégré et que ce n'est pas le monde qu'ils veulent, que les libertés dans le monde du numérique sont sensiblement les mêmes que dans le vrai monde. Ne pas être surveillé par son gouvernement, c'était considéré comme définition d'un régime démocratique, ouvert, classique. Ne pas être censuré, c'est-à-dire l'existence de la liberté de la presse, ne pas être enfermé pour ses opinions, c'était aussi considéré comme en faisant partie. Et à l'heure actuelle, ne vous leurrez pas, ce qu'on voit sur les États-Unis d'Amérique, c'est parce que Edward Snowden a parlé. Vous ne savez pas ce que font les services français. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que de la même façon que les cartes sont mélangées, que les lignes sont brouillées sur cette surveillance étatique et cette surveillance privée, comme ce que tu viens de décrire, on a une espèce de flou artistique entre la notion de démocratie qui marche, qui est légitime, et la notion de totalitaire, les méchants, loin, qui sont d'une autre couleur. Et on est en train de voir que ce n'est pas aussi simple que ça, d'une part, mais aussi que les États se renvoient la balle. Et d'une, par la réponse à tout ça, ou dans la presse, un des spins les plus impressionnants qu'on ait vu, c'est « Ouais, de toute façon, tout le monde le fait. De toute façon, tout le monde viole les libertés. Donc, c'est pas grave. » Et replacez-vous dans un contexte où la peine de mort était généralisée, où le droit des femmes était interdit, où l'avortement était interdit. Et imaginez-vous entendre un argument comme ça. « Ah, mais tout le monde le fait. » C'est légitime, bien sûr. Et ce que ça révèle, c'est que les différents gouvernements, les différents services de renseignement sont évidemment, se tiennent par la barbichette, sont engagés dans des accords les uns avec les autres pour échanger des accès, pour échanger des données, pour échanger des procédures, pour échanger des clés. Et c'est ce qui rend le merdier encore plus indémerdable. C'est ce qui rend la situation encore plus complexe et ce qui exige encore plus que nous nous mobilisions et que nous agissions. Dans les marqueurs classiques des États totalitaires, il y a le fait que l'administration puisse prendre des sanctions privatives de liberté sans passer par un juge, mais sans passer par un procès équitable. C'est un vieux classique, ça. Dans les pays totalitaires, le méchant... Alors, dans l'image républicaine française classique du début du XXe siècle, on dit le roi, pour dire le méchant, oui. Il embastille les gens sur décret. Aujourd'hui, les mesures de privation de liberté sur Internet, alors ça ne se prend pas en embastillant les gens, ça se prend en coupant, en filtrant, etc. On dit que c'est filtrage sur décision arbitraire de l'État. Méthode classique en Iran et en Chine pour faire taire les opposants. Alors en France, on a arrêté de compter les propositions de filtrage sur décision administrative, c'est-à-dire sur décision du gouvernement, sans passer par un juge. En ce moment, ils en sortent deux par mois. Le gouvernement actuel. Hein, projet de loi conso, projet de loi sur la prostitution et projet de loi sur l'égalité homme-femme. Trois projets de loi qui, directement ou indirectement, vont imposer cette censure des contenus. Oui. Et c'est plus compliqué que le filtrage. Et ça, c'est que les projets de loi. Sur les traités internationaux, on a arrêté de numéroter aussi. Parce qu'on a réussi à faire repousser ACTA, mais il y a des problèmes très similaires dans les traités transpacifiques. Donc pour le coup on n'est pas concerné, mais enfin, c'est-à-dire que si le Japon et les États-Unis s'y mettent, on est concerné. Et il se trouve que les clauses quasiment identiques sont dans le traité en cours de négociation entre les États-Unis et l'Europe. Ah ça on ne sait pas, parce qu'on ne l'a pas vu. Ouais. Et c'est un problème en soi. Donc voilà, ça aussi c'est un marqueur très classique des sociétés totalitaires, le fait qu'on prenne des décisions graves portant atteinte aux libertés sans passer par un juge et de manière totalement disproportionnée. Et justement, puisque tu l'évoques, je pense qu'il est urgent de se reposer la question de ce que signifie une violation de liberté individuelle et de ce que signifie la définition même de nos libertés individuelles dans l'environnement numérique.
on entend liberté, liberté, droit fondamental, liberté fondamentale à tout bout de champ. Les gauchistes utilisent l'adjectif liberticide à tous les coins de phrase. Et on est en train de diluer un petit peu le sens de ces mots et leur caractère fondamental pour notre, même pas dire nos démocraties, parce que le terme lui aussi commence à être dilué, mais pour la façon dont on a de vivre les uns avec les autres, pour l'organisation, pour la structuration de nos sociétés. Et cette protection de la vie privée, ce droit à la protection de la vie privée, c'est un droit fondamental. Et il faut se poser la question, il faut apprendre à réapprendre, à définir ce que veut dire la protection de la vie privée et ce que veut dire violer ce droit fondamental. Quelques petits exemples comme ça. Les comportements changent lorsque vous vous savez surveiller. Si vous savez que tout ce que vous êtes en train de taper ou de dire au téléphone va être enregistré et pourrait être utilisé contre vous, vous n'allez pas dire que votre patron, qu'un collègue, qu'un gouvernement est en train de se livrer à des injustices, à des crimes, à des mensonges. Vous n'allez pas le dire parce que ça pourrait être utilisé contre vous et que le risque est trop fort, vous risquez de vous faire embastiller. De la même façon, vous n'allez pas appeler votre docteur pour lui demander des informations sur un avortement ou sur le HIV. De la même façon, vous n'allez pas aller à une réunion des alcooliques anonymes. Non, mais nous, on n'est pas anonymes, laisse, on a bon. Ou à une réunion de création d'un nouveau parti politique d'opposition, si vous savez que le gouvernement... L'UDI, peut tu veux dire ? Le savoir. Et l'UDI. Et non, j'ai pas dit un parti d'agrément. Et se servir de cette information pour organiser une purge des représailles ou des mesures douces qui vous défavoriseraient la prochaine fois que vous chercherez un boulot ou des choses comme ça. Donc, les comportements changent parce que la protection de la vie privée implique le bon usage des autres libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'association, la liberté de penser, la liberté d'opinion sont conditionnées par cette protection de la vie privée. Alors, pas que de la vie privée. Parce qu'en France, ce qu'on entend, c'est plus le privacy américain que la vie privée française, ce que tu décris. Ah non, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne sais pas s'il y a la protection de la vie privée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais dans l'UNHCR, la protection de la vie privée, c'est exactement ça. Mais typiquement, il y a une grande partie qui est le secret des... ce qu'on appelle classiquement le secret des correspondances privées. Qui relève d'une sphère subtilement différente, mais qui est couverte par le même privacy américain. Qui est ce qu'on se dit entre nous, relève pas nécessairement de la vie privée, mais est privée. La Charte européenne des droits fondamentaux, par exemple, c'est écrit noir sur blanc. D'accord. Privacy. Privacy, en anglais. En français, le vie privée est plus restreint. Privacy, c'est protection de la vie privée, en français. Si, vraiment. Vraiment. Vrai de vrai. Mais donc voilà, ça correspond, ça recouvre plusieurs choses. C'est ça, par exemple, qui est... c'est un des éléments essentiels pour moi dans les questions autour d'Internet et qui sont à la frontière entre du politique et du technique. Ce qui est embêtant dans le fait que vous ayez quasiment tous une page Facebook... Qui n'a pas de page Facebook ici ? Ouais, ça fait quand même une courte minorité. Non, non, non. Hein. Attends. C'est le taux le plus haut que j'ai vu de ces 6 derniers mois où je pose la question régulièrement. Ouais. Sérieusement, bravo. Merci. C'est bon, on peut arrêter de parler, on peut aller boire des bières. C'est bon. Là, on a un public de convaincus. Job is done. Mais tu te rends compte, dans un public de convaincus, il y en a plus des 3/4 qui ont une page Facebook. Qui n'utilise pas Google ? Waouh ! Il y a plus de une main qui se lève la mienne. C'est impressionnant, impressionnant. Wow. Donc, ce qui est embêtant là-dedans, c'est pas tellement le fait que vous défendiez, enfin que vous aidiez à gagner de l'argent une grande boîte américaine. Ça, on s'en fiche un peu. C'est le fait que vous utilisez des services centralisés, donc aisément contrôlables, donc aisément surveillables, évidemment indexables par Facebook soi-même, que ce soit ce que vous publiez ou ce que vous dites en conversation privée, mais maintenant, on le sait, aussi enregistrable et indexable par d'autres que Facebook soi-même, et en particulier la NSA. Ça, c'est un problème qui est à la frontière entre le technique et le politique. Il est politiquement inacceptable qu'un État surveille ses citoyens en passant par ce biais-là ou par un autre biais, qu'un État surveille la totalité de la population. De la même manière,
on a un problème technique, entre guillemets, qui est, on devrait réussir, on ne devrait pas passer par des systèmes extrêmement centralisés. Précisément parce qu'on sait qu'ils présentent ces faiblesses-là. C'est-à-dire qu'ils présentent des faiblesses techniques, c'est-à-dire qu'il suffit d'éteindre Facebook et la majorité des gens croient qu'Internet est en panne. Je vous assure, hein, faites le test un jour sur un réseau d'une entreprise, vous coupez l'accès au portail Google et vous laissez tout le reste fonctionner, et vous verrez, les gens vous diront Internet est en panne. Je voyais, là, juste avant, on causait avec un gamin qui fait du réseau, qui est fort militant, fort convaincu, tout ça, pour savoir si... Il me dit, je vais regarder si Internet marche, il fait ping Google. On part bien. Je connais des gens qui, au lieu de dire j'ouvre un navigateur web, disent j'ouvre Google. Ouais. Donc voilà. Pour ne pas citer ma mère. Oui. Il y a du boulot. Là, pour le coup, pour moi, on a... Il y a une partie qui relève du pur politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le travail politique consistant à faire en sorte de rendre ouverts et démocratiques les États qui ne le sont plus, et qui ont cessé de l'être depuis l'avènement du numérique. Et on a le même problème en France qu'aux États-Unis, hein. Croyez pas qu'on soit protégé. Les services secrets français font au moins autant de bêtises, et pour le moment, ils s'arrangent pour que les espions ne trahissent pas. Oui, enfin, eux, ils n'ont pas Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc. Ah, ça fait une grosse différence sur le caractère global. Ils sont peut-être moins compétents, dit-on dans le public. Ils ont beaucoup moins de budget. Surtout beaucoup moins de budget. Ils ont pas les sous. Compétents, faut pas croire. Ils sont pas tous mauvais. Et moins de mécanismes législatifs leur permettant de faire plier des entreprises et de faire coopérer des entreprises. Donc, il y a évidemment un volet politique qu'il faut que nous traitions, mais il y a aussi un volet politique, enfin technique, qu'il faut traiter, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent de... Et ça, c'est du vrai travail pour... Il semblerait que les gens de l'IETF commencent à s'en préoccuper. Et si je puis me permettre... Et on a un travail de militant à faire. Si je puis me permettre, la capacité phénoménale et à peu près égale des politiques et des technologiques... à ignorer le facteur humain est quelque chose qui nous concerne aussi éminemment. Et donc, une partie de la solution est politique et législative, c'est évident. Une partie de la solution est technologique, c'est évident également. Mais une partie, et je pense que c'est peut-être la plus importante, est forcément humaine, c'est-à-dire sociale et culturelle. C'est-à-dire faire évoluer les comportements, faire évoluer les mentalités. Et de permettre aux gens de penser la technologie autrement que selon l'axe « c'est user-friendly, les coins sont ronds, lol, c'est facile » et de l'autre côté « je n'y comprends rien parce que de toute façon, moi, je n'y comprends rien, parce que je me sens inférieur, parce que je ne suis pas programmeur, parce qu'on m'a toujours fait peur avec les chiffres, les maths, les écrans noirs avec du texte en blanc dessus. » Et arriver à faire comprendre aux gens que cet axe est en réalité d'un côté les technologies qui vous contrôlent et de l'autre les technologies qui vous donnent le contrôle, mais qui nécessitent pour cela que vous autonomisiez, que vous preniez en main ces technologies, que vous les appreniez pour les comprendre, pour les absorber. Ça, c'est un des travaux les plus importants qu'on a à faire. J'aime bien citer un exemple très con là-dessus. On va faire simple, qui parmi vous a un lecteur de DVD à la maison ? Allez, tout le monde, non, à pas peu moi. Près. Pas moi. Vous êtes tous déjà tombés sur le machin quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande pour accéder au menu pendant le merdier là, qui vous bloque avec un logo ou avec une pub qui vous insulte. Ça vous dit, sens interdit, vous avez tous déjà testé sur un ordinateur normal avec VLC. En fait, ça marche très bien. On peut passer la pub, on peut passer le logo pénible, on n'est pas obligé de le regarder. Voilà, ça, c'est un exemple très très simple de dispositif technique, extraordinairement courant, qui fait rentrer dans la tête des gens qu'il est normal qu'un outil technique vous interdise. C'est ahurissant. Cet élément-là est un des éléments les plus courants de la vie de tous les jours, qui fait rentrer dans la tête des gens qu'il est normal que ce soit la machine qui contrôle l'homme et pas le contraire. Ça a l'air idiot. Si je dis c'est inacceptable que le lecteur de DVD me dise permission denied, sens interdit, on croit que je fais un caprice. Non, je parle de politique.
je parle de politique. Ça, pour moi, c'est une question de politique. Votre téléphone qui obéit à Apple au lieu de vous obéir à vous, c'est un problème politique. Et c'est un problème politique majeur. Vous n'avez pas signé un contrat, vous ne pouvez pas légalement signer un contrat par lequel vous renoncez à vos libertés individuelles et à vos droits. Ah si, tu peux le signer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est valable. Il n'a pas de valeur. Mais si tu le signes et que tu crois qu'il a de la valeur et que tu ne le contestes pas devant les tribunaux, alors il sera mis en œuvre. On ne peut pas être esclave par contrat. C'est pas possible. Dans ces paramètres socio-culturels, j'insiste là-dessus, parce que vous connaissez comme moi, sans doute, on parle d'un ami ici, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la pièce ici. Des gens qui, quand ils vont voir un Mac, vont faire ouais, t'es con, ouais, t'as un Mac. Genre, ouais, t'es con, t'es encore sur Facebook. Je suis convaincu d'une chose, c'est que ça n'est pas comme ça qu'on fait changer les comportements. Alors, les guéguerres Ubuntu, Debian, VI, Emacs, etc., c'est sympa, c'est amusant, c'est folklorique. Ça fait de l'audience, on va dire. Et pour autant, il nous reste à apprendre les façons de faire évoluer les mentalités, de faire évoluer les comportements, de quelque part de descendre de notre piédestal, de descendre de notre statut de ceux qui, parce qu'ils étaient plus ou moins asociaux dans leur adolescence et parce qu'ils avaient les moyens, parce qu'ils sont nés dans un contexte social qui leur permettait d'avoir accès à la micro-informatique à cette époque, qui ont appris les ordinateurs et qui les ont appris avant les autres et qui les ont compris avant les autres. Il y a des moments où il faut descendre de ça et aller vers les gens et leur expliquer les fondamentaux, réexpliquer les fondamentaux. Je me suis presque astreint tout à l'heure à vous redéfinir ce que c'était que le droit fondamental à la protection de la vie privée et les conséquences des violations de ce droit fondamental à la protection de la vie privée. Parce que, en parlant toute la journée, j'ai l'impression que c'est évident pour tout le monde. Et on a tous ce biais-là. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'on va, je pense, forcément évoquer les solutions, la résistance, ce que l'on peut faire pour essayer de changer le monde, pour sortir de ce merdier totalitaire global. À part pendre le dernier des patrons avec les tripes du dernier curé, tu veux dire ? À part ça, il y a d'autres choses à faire avec. Je mentionnais ça et tout le reste. D'accord. Et que là, fondamentalement, il y a quelque chose que l'on peut tous ici faire. C'est partager notre connaissance d'une façon humble, honnête, ouverte sur les autres. Et apprendre à faire ça, je vous jure, c'est quelque chose de difficile. C'est un exercice qui doit c'est comme une forme de discipline personnelle qu'il faut s'imposer. C'est trop facile de dire « Ouais, t'as Facebook, t'es con ». C'est un peu comme le racisme ordinaire. Faire des blagues comme ça, ouais, c'est parce que t'es un arabe, tu dis ça, ouais, c'est parce que t'es juif, machin, ouais, c'est parce que t'es breton. Non. C'est exactement la même chose. Non, mais les bretons, quand même, c'est pas des gens comme nous. Bah, on est d'accord. Et puis, il paraît qu'ils mangent les bébés. Ah, bah ça, c'est sûr. Avec de la bière. Et du cidre. Du cidre. Bière, là-bas, ils appellent ça du cidre. Et donc, je suis convaincu de ça. Je ne sais pas encore vous dire quelle forme ça prendra. À titre personnel, je suis en train de réfléchir au concept de la cyberpaix. Quelque chose qui serait en opposition radicale au concept de cyberguerre. Où on n'irait plus dans cette course à l'armement, à la défense, à l'armement, à la défense. Mais à essayer de construire un état de fait dans lequel les gens se sentent libres de la peur de l'agression. Dans lequel on peut construire un état dans lequel les individus peuvent à nouveau avoir confiance dans leur infrastructure, dans leur logiciel, dans leur matériel. Et là, on peut détailler, d'un point de vue technologique et d'un point de vue politique, ce qu'il faudrait faire pour aller jusque-là. Mais tant que l'on n'aura pas convaincu un nombre important de la population, je ne suis pas sûr qu'il faille la majorité. Je pense qu'on ne pourra pas avancer là-dessus. On peut déjà donner des bribes. Moi, il y en a plein qui sont celles que je porte depuis un paquet d'années déjà. Le fait de faire son fournisseur d'accès à Internet et du coup de savoir comment il marche et de savoir à quel point on peut ou pas lui faire confiance et du coup acquérir la connaissance de comment fonctionnent les autres et de tout le pouvoir de malfaisance qu'ils ont, c'est une étape essentielle, fondamentale. Si on n'a pas confiance dans le réseau, on peut avoir confiance dans rien en matière de numérique. La deuxième, qui est évidente quand on vient parler avec plein de gens en t-shirt orange, c'est le fait qu'il faut que le logiciel soit libre, sinon vous ne savez pas ce que fait l'ordinateur. Si vous ne savez pas ce que fait l'ordinateur, c'est comme si vous ne savez pas ce que fait le réseau. Vous ne pouvez pas avoir confiance dans ce que ça fait.
Moi, je suis certain que ma machine sous Linux, elle poste rien vers la NSA quand j'écris. Certain ? À peu près, ouais. Certain ? Dans la mesure où certain beaucoup de gens ont fait de l'audit, oui. Certain ? Oui. Ta machine ? Ouais. Certain ? Je sais que ça vient pas de l'OS. Certain ? Ouais. Je sais que ça vient pas de l'OS. Après, ce que fait le hardware, plus embêtant. Donc, il reste... ma machine. Oui. Et donc, il reste des bouts à libérer, comme ça. On en identifie assez facilement au moins deux ou trois dans les éléments comme ça. Il y a ceux qu'il faut finir d'ouvrir. Il y a des questions très, très, très sérieuses sur le hardware. L'exemple le plus criant étant votre téléphone. Tous les téléphones mobiles. Déjà, il faut arrêter d'appeler ça des téléphones, c'est des ordinateurs. Oui. Ce sont des ordinateurs mobiles qui permettent de téléphoner aussi. Ce sont des ordinateurs mobiles équipés d'une puce radio qui permettent d'émettre et de recevoir des ondes. Tous les téléphones, je reste là-dessus, tournent en général deux OS. L'un qui est celui du téléphone dont vous ne savez rien et dont vous ne saurez rien. Et l'autre qui est celui de l'ordinateur. C'est-à-dire que ça, c'est effectivement un ordinateur mobile plus un téléphone. Et il se trouve que le système d'exploitation qui fait tourner la partie téléphone, qui est entièrement fermé sur des chips dont on sait qu'ils font des choses bizarres et probablement anormales, à peu près personne ne sait comment ça marche. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est typiquement toutes les rumeurs que vous avez entendues sur le fait que même quand il est éteint, on peut encore piloter votre bidule qui est dans votre poche, là, votre ordiphone. Oh, c'est pas que des rumeurs. Ben hein. Voilà, c'est pas une rumeur. Nos amis de Privacy International ont écrit ça, des lettres à 6 fabricants de hardware de ces ordinateurs mobiles en leur posant un certain nombre de questions très précises, y compris une fois la batterie enlevée, est-ce que certains composants peuvent être encore actifs et encore activables à distance ? 3 ont répondu à cette question. 2 ont dit peut-être des malwares. Ne riez pas. La question que tu soulèves ici. Ça ne veut pas dire non, ça veut dire peut-être. La question que tu soulèves ici, en fait, c'est la question de la confiance. Il se trouve que tu fais confiance à ta machine sous Linux. Et je t'en félicite. Je te présenterai des chercheurs en sécurité qui auraient beaucoup à apprendre de toi. Non, je fais confiance à Tor, mais je sais qu'elle est plus fiable que la majorité. Donc tu fais confiance à ton BIOS aussi, par exemple, entre autres. Le fait est que l'on vient de se prendre une claque dans la gueule et qu'on est encore en train de se la prendre. Glenn Greenwald, le journaliste américain exilé au Brésil, à qui Snowden a accordé sa confiance pour organiser avec lui ses révélations, a dit il y a 3 semaines que le plus gros des révélations était encore à venir. Rassurez-vous, on a vu que la petite portion. Ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est une claque dans la gueule en termes de confiance. Ok, peut-être pas grand monde ici faisait confiance à Facebook et Google avant. D'accord. Mais vous avouerez que dans la population, c'était quand même la majorité. Tout le monde faisait une confiance aveugle en Google, Facebook, Apple, Microsoft et compagnie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que par les agissements de la NSA plus un ensemble législatif dans le droit américain, on a la preuve par A plus B que l'on ne peut pas et que l'on ne pourra plus jamais faire confiance à ces entreprises. Et ce que cela définit ici, c'est véritablement notre rapport à la technologie. On pensait que ces ordinateurs, ces services, ces entreprises étaient nos amis. On s'aperçoit en réalité qu'ils sont nos ennemis. Alors je suis d'accord avec toi intégralement sur le fait qu'il faut apprendre à faire notre Internet nous-mêmes, parce que ce sera la seule façon de le refaire une fois qu'il aura été cassé jusqu'au dernier octet, si c'est le cas. Mais ce que l'on est réellement en train ce qu'on est obligé aujourd'hui de devoir réfléchir et de devoir inventer, c'est les conditions d'utilisation de ces technologies dans un cadre où on ne peut pas faire confiance au réseau, où on ne peut pas faire confiance au matériel et où on ne peut pas faire confiance aux fournisseurs de logiciels propriétaires. Et ce que l'on voit se dessiner ici, je vais y revenir, c'est les design patterns, les principes d'ingénierie, les principes de conception, d'un côté des technologies du totalitarisme et du contrôle de l'usage et des individus, et de l'autre, les design patterns, les principes de conception des technologies qui libèrent. D'un côté, on a la centralisation, l'hypercentralisation, les logiciels et les matériels fermés, et la fausse sécurité, l'illusion de sécurité, le chiffrement qui vous dit « faites confiance à Skype et vos communications seront sécurisées ».
De l'autre côté, on a les services décentralisés, le logiciel libre, le matériel dans lequel on peut faire confiance qui n'existe pas encore, et le chiffrement point à point, dans lequel les individus gèrent leurs clés eux-mêmes et ne délèguent pas à un tiers la confiance qu'ils ont dans l'implémentation du chiffrement. Question bête, vous avez tous suivi le fait que la NSA accède librement à tous les contenus sur Google, Facebook & Co, ça vous avez tous suivi. Vous avez tous suivi la partie influence sur les développements ? Bull run. Pas forcément tant que ça. C'est extraordinairement intéressant. C'est-à-dire que non seulement la NSA accède à n'importe quoi, etc., etc., ça, bon, ok, on a compris. Ils font pire que ce qu'on pensait dans ce domaine-là, mais ils ont aussi un travail actif pour rendre faible, le plus faible possible, les solutions de sécurisation de tout le monde. Commercial. Moi, j'ai beaucoup la réponse qu'a apportée Linus Torvalds quand on lui a posé la question. Où il fait un grand oui avec la tête, longuement, et puis dans le micro, il dit non. Pour répondre à la question, est-ce qu'il a été approché ? Pas est-ce que ses backdoors ont été insérés oui, dans son pour code. Pour répondre à la question, est-ce beaucoup, que... Beaucoup est-ce de fantasmes que, sur l'interprétation. Est-ce que vous avez été approché ? Est-ce qu'on vous a demandé... C'est évident qu'il y a des backdoors aussi dans le logiciel libre. Le logiciel libre n'est pas la baguette magique contre les backdoors de la NSA. Non, mais par contre, on a une chance faible de les trouver. Beaucoup moins faible que dans les logiciels propriétaires. Ah ben dans le logiciel propriétaire, on n'a aucune chance de les trouver. Dans le logiciel libre, on a une chance, si on regarde attentivement au bon endroit, de finir par les trouver. Le programme que tu décris, c'est le programme Bull Run. C'est un programme à 250 millions de dollars que la NSA a dépensé chaque année pour aller saboter. On peut parler de sabotage. Une par une, les technologies commerciales qui permettent de sécuriser les données et les communications. Et ce que démontre Bull Run, outre le fait que l'on ne pourra plus jamais faire confiance dans une entreprise américaine pour fournir une solution de sécurité. Et c'est là peut-être la lueur d'espoir que l'on a devant nous. Et c'est ce que disait Snowden dans sa première interview à Hong Kong, filmée par Laura Poitras, c'est que les maths tiennent encore. Ce que disait Snowden, c'est que « a good implementation of strong cryptography still holds ». Une bonne implémentation d'une cryptographie forte tient encore le choc. Si la NSA avait cassé les mathématiques, il n'aurait pas besoin de dépenser ces 250 millions par an pour aller briser une par une la fiabilité des implémentations de la crypto. Et cela veut dire que les maths restent du côté des citoyens, restent du côté de l'humanité, restent du côté des libertés. Alors, du côté, je ne sais pas, mais à disposition. La seule chose, c'est qu'il faut maintenant se poser la question de ce qu'est une bonne implémentation d'une crypto forte. À vos calculatrices. Pour moi, ce programme-là est un des plus intéressants à réfléchir. D'abord, il montre deux choses évidentes. C'est si vous aviez encore un doute, vous ne pouvez pas en matière de sécurité, déjà dans le reste, on ne peut pas tellement, mais en matière de sécurité, vous ne pouvez pas faire confiance à un programme qui ne soit pas libre. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire confiance à tous les programmes libres. Mais vous ne pouvez pas faire confiance à un programme qui ne soit pas libre. Ça veut dire que les questions d'audit de sécurité sur les programmes vont devenir des questions sérieuses. Si elles n'étaient pas déjà. Ça va devenir plus sérieux, parce qu'avant, on pensait qu'on cherchait des bugs, on pensait qu'on cherchait des failles, on pensait qu'on cherchait des anomalies, on ne pensait pas qu'on cherchait des bugs faits exprès. On ne pensait pas qu'on cherchait des erreurs de design introduites volontairement par quelqu'un qui a participé au développement pour instiller des fautes. L'histoire du bug dans le générateur de nombres aléatoires de Debian, on peut quand même se poser quelques questions. Oui. Ça, c'est juste une négligence laissée là pendant 2 ans. Debian étant un des OS les plus répandus sur les serveurs. Au hasard. Au hasard. Donc voilà, ce type de questions qui étaient avant des questions pour geeks, est-ce que l'implémentation de GPG est meilleure que celle de PGP, est-ce qu'elle est plus ci ou moins ça, etc., qui étaient des questions qui ne passionnaient que les geeks, vont devenir des questions politiques, en fait. Est-ce que
tel algo est efficace, là-dessus, on a des réponses assez solides sur l'algo, c'est-à-dire sur les maths. Pour le moment, ça tient, et pour le moment, on sait ce qui est solide. Sur l'implémentation logicielle des choses, il va y avoir des vraies questions à poser. Est-ce que telle implémentation est valable ou n'est pas valable? Et à partir de quelle source est compilée l'implémentation que vous faites tourner? Ça va devenir une question absolument critique en matière de sécurité. Et d'où vient votre compilateur? Et quel est le matériel qui fait tourner le compilateur? Et quel BIOS a été flashé dans le matériel qui fait tourner le compilateur, etc. Oui. Et quel compilateur a compilé? Et qui compilera les compilateurs? Qui surveillera les surveillants? Non, ces questions sont essentielles. Et vous rendez compte, j'espère que là, vous sentez écrasé sous le poids de la responsabilité qui nous échoit. Que vous soyez programmeur, designer d'interface, que vous participiez à la documentation, que vous fassiez l'advocacy, que vous fassiez l'article des technologies, que vous soyez en contact direct avec les élus et les politiciens, que vous soyez au cœur de l'élaboration des politiques publiques, que vous pensiez le monde de demain dans une perspective politique ou philosophique ou sociale, j'espère que vous rendez compte que l'on a tous ici un rôle à jouer. Il va falloir user de la salive et de l'huile de coude. Il va falloir aller parler autour de nous. Il va falloir quitter Facebook, Google, mais il va falloir inventer les technologies qui offriront des services parfois équivalents, parfois meilleurs. Il va falloir inventer parfois moins bien aussi, les implémentations. Hein. Oui. On ne sait pas encore comment trouver des gens avec qui coucher avec, alors qu'on fait ça très bien avec Facebook, parce que c'est centralisé. On a des vrais défis technologiques, des vrais défis politiques, et il va falloir faire des efforts démesurés. Il s'agit ici du monde que l'on va léguer aux générations futures. Lesquelles générations futures regarderont notre époque et se diront « Mais est-ce qu'ils étaient vraiment bêtes à ce point ?» d'utiliser Google, Facebook, de mettre toute leur vie dans des machines qui se sont retournées contre eux, de volontairement aller abandonner leur liberté et leur capacité d'autonomie, de volontairement renoncer à leur capacité de participation démocratique et d'action citoyenne. Alors, il y a un volet sur lequel on est plus embêté, sur lequel moi je suis embêté en ce moment, c'est le volet politique. Parce que c'est quand même une question fondamentalement politique. Est-ce que mon ordinateur a la capacité de m'espionner? Oui. Est-ce que mes logiciels ont la capacité de m'espionner? Oui. Est-ce que je fais plus confiance à ma Debian qu'à un Windows moyen? Oui. Même si, bon, je n'ai pas plus de billes que ça. Est-ce que je fais plus confiance à mon fournisseur d'accès Internet qu'à à peu près n'importe quel autre en France? Ouais, ça va. Même si y a des tas d'éléments sur lesquels je ne sais pas. Moi, je n'ai pas audité le hard qui fait tourner le switch sur lequel est branché le câble qui. Et donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il fait celui-là. C'est Cisco ou Huawei? Alors, ça dépend lequel. Il y en a un qui doit être un Kiko et l'autre qui doit être un HP. Donc, tu vois, c'est plutôt américain. C'est plutôt américain. Ça va, on est en sécurité. Non, on sait par qui on se fait écouter, quoi, c'est important. Par contre, ils ne sont pas atteignables facilement depuis Internet. Ça complique un peu. T'inquiète, il doit y avoir des raccourcis. Sur le volet politique, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'en fait, il n'y a à l'heure actuelle rien dans le personnel politique sur ces sujets-là. Pour le moment, dans le personnel politique, hormis, je vais mettre de côté les 3-4 dans chaque camp qui ont à peu près compris les questions. Il y en a 2-3 au PS qui ont compris, il y en a 2-3 à l'UMP, il y en a 2-3 au centre. Tu parles de la France? Oui, 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 je parle du politique. Bah oui, parce que moi, le politique américain, je comprends, je vote pas là-bas. Donc... L'Union européenne et le reste du monde aussi. Ah, l'Union européenne, même chose. Nous, on vote que pour les députés européens français. Bah, ouais, mais il se trouve que. Alors, je ne vais pas placer un espoir démesuré dans les instances politiques européennes. Mais la commission Liberté publique du Parlement européen est en train de se saisir de la question. Et des pays dans l'Union européenne où il se passe des choses, mais même au-delà de ça, en Amérique latine, au Brésil et dans les pays de la Mercosur, il semble y avoir une mobilisation assez authentique qui semble se prolonger dans la durée,
autour de ces questions-là. Donc je tempère et je partage tout à fait ton analyse politique des sphères françaises, mais c'est peut-être pas de France que viendra les réponses politiques à cette question-là. Peut-être pas, mais enfin bon, c'est pas une raison pour qu'on fasse rien. Et moi, je suis très embêté parce que dans les partis politiques français, qu'ils soient de gouvernement ou autre, j'en ai pas vu qui tiennent la route, quoi. Sur ces sujets-là, il y a à peu près rien. Et c'est pour moi une vraie préoccupation, parce que ça, ce sont les vraies questions politiques sérieuses du début du XXIe siècle, beaucoup plus sérieuses, en fait, que les portiques. Oui, par exemple, les portiques, ou savoir si les bonnets doivent être rouges ou pas. Voilà, on est là sur des questions qui sont extrêmement fondamentales et qui, pour le moment, ne sont pas traitées. Et qui ne posent pas de questions budgétaires. C'est pas comme si ça coûtait cher. On ne parle pas du fait de passer le SMIC à 4000 euros et de dire que demain, on rase gratis. On est sur quelque chose qui relève seulement de la politique. Du comment faisons-nous cité ensemble et des libertés fondamentales et de comment on les protège. Et à l'heure actuelle, dans nos partis politiques, il n'y a rien. C'est-à-dire que je ne peux même pas vous dire qu'il faut qu'on change, ça ne suffit pas. Je suis convaincu d'une chose, après peut-être qu'on va ouvrir le... on va passer la discussion, je pense qu'ils sont chauds là, c'est bien, chaud patate. Mais tu as peut-être quelque chose à ajouter. Moi je suis convaincu d'une chose, c'est que les contextes politiques, il ne faut pas les attendre, il faut les créer. Et c'est ce qu'on a démontré sur le paquet télécom au Parlement européen, sur l'ACTA au Parlement européen, sur l'ADOPI, la décision du Conseil constitutionnel, qui a rendu ce machin inopérant en France, sur quelques autres victoires peut-être moins visibles que celle-là, et je parle que pour la courte histoire de la quadrature du net. On a démontré qu'on avait la capacité d'organisation, d'action, de coordination, grâce à un Internet libre qu'on a encore par petits bouts entre nos mains, pour créer du contexte politique qui rend inévitable pour les responsables de se positionner et de se positionner de notre côté. Parce que s'ils ne font pas, ils se prennent des milliers de mails, des milliers de coups de fil, des insultes, des menaces, des trucs et des machins. Nous, moi, je ne contrôle pas ma base, hein, vous savez, j'y suis pour rien. Mais vous voyez très bien où je veux en venir. Et donc ces aspects socio-culturels que je mentionnais tout à l'heure, je pense qu'ils touchent également à la façon dont les individus vont se saisir de ces questions-là, vont se mobiliser. Et au plus, on continuera d'en parler, d'écrire, d'interroger les uns et les autres, en parallèle de ces développements technologiques absolument indispensables, en parallèle de ces inventions de programmes politiques et législatifs qui pourraient éventuellement apporter la réponse à certains de ces problèmes, je suis convaincu que ce sont ces mouvements. Quelqu'un m'a dit peu de temps après la victoire sur l'ACTA, et j'aurais jamais pensé en ces termes, que ACTA, on avait généré et entretenu un mouvement social. Alors c'est un terme un petit peu connoté. Mouvement social, c'est une bande d'individus qui se mobilisent sur une cause commune. Je suis convaincu qu'il n'y a que si on arrive à susciter l'intérêt et la mobilisation de nos concitoyens. Et là, on a devant nous des éléments absolument irréfutables, essentiels, pour nous permettre de faire ça. On est dans une position où, pour la première fois dans l'histoire de nos communautés, nous avons l'initiative. On est capable de dire « on vous l'avait bien dit ». Ça fait 5 ans qu'on vous racontait ça, ça fait 10 ans qu'on vous disait ça, ça fait 30 ans que Richard vous disait ça. On a entre les mains des munitions d'une puissance folle. Et encore une fois, il me semble qu'on a une responsabilité énorme, énorme, de s'en servir avant qu'elle ne se gâte, de ne pas laisser ce momentum repartir, de ne pas laisser l'intérêt se déliter et de prolonger ce mouvement, de prolonger cet intérêt qu'il y a aujourd'hui parmi nos concitoyens sur ces questions-là. Ouais, bah je pense qu'on va passer la parole aux gens, en fait. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Je vais peut-être caser une petite annonce. Ça n'a pas encore été annoncé publiquement, mais du coup, comme ça, comme je l'aurais dit dans un amphi, je serais obligé après de le tweeter et de faire un billet dessus.
Comme vous le savez sans doute, le Fonds de défense de la neutralité du net sert à collecter des dons pour tout un tas de choses, de structures et d'associations, y compris Wikileaks. Le lien avec Snowden est assez direct. Wikileaks travaille beaucoup à essayer d'aider Snowden sur un certain nombre de sujets. Notre banquier nous a mis à la porte. Et donc, dans quelques semaines, nous ne pourrons plus recevoir des dons par carte bancaire. Donc, si vous voulez en faire, il faut le faire maintenant. Dans deux semaines, ça sera probablement, trois semaines, ça sera probablement fermé. Et pas forcément définitivement, parce qu'on cherche à retrouver un autre banquier. Mais si vous connaissez des banquiers qui savent travailler sérieusement avec des associations, c'est une vraie plaie. Si vous connaissez des banquiers qui savent travailler sérieusement. Non, ça ne cherche pas. Il n'y en a pas. Pour info, pour ceux d'entre vous qui se font des idées, la NEF et le Crédit Coopératif nous ont dit non. Voilà, si vous aviez un doute. Ah bah parce que paiement CB, association compliquée, fait chier. Ah non, non, on est toujours sur de la haute voltige. D'habitude, c'est toi qui fais ça, mais au passage, il manque 35 000 euros au budget de la Quadrature pour l'année 2013. Alors, pour une fois, c'est moins grave que ça aurait pu l'être parce qu'on a eu un don pour deux ans de la Fondation Soros. Donc, les répercussions de ce trou ne se feront pas là, en janvier, mais seulement six mois après. Et lundi, on va lancer une campagne de financement. J'imagine que beaucoup parmi vous ont déjà contribué et je vous en remercie du fond du cœur. Vous allez bientôt recevoir votre t-shirt si c'est pas si ça. Oui, on est en retard sur les envois et tout ça. Contribuer avec par des dons, par des soutiens financiers, c'est limite pas le plus important. Le plus important, c'est de nous aider à faire passer ce message. Comme vous l'avez compris, on est aujourd'hui à la croisée des chemins. On est en train de faire ce choix de société entre d'un côté la surveillance, de l'autre côté la protection de la vie privée. Entre d'un côté le copy wrong, le copyright qui attaque le public, et de l'autre une réforme positive du droit d'auteur qui reconnaîtrait nos droits culturels. D'un côté la censure, de l'autre la neutralité du net. Et voilà, aidez-nous à faire avancer ce message que soutenir la quadrature du net, c'est aider 5 gus dans leur garage qui tentent de faire avancer les bons choix sur ces questions-là. Je déteste faire ça. Ouais, non, c'est chiant. Côté fait la manche. Donc je vais passer avec un chapeau et une plume dans le cul. Alors pour le chapeau, je sais pas, mais la plume, je veux voir. T'as combien sur toi ? Je dois avoir 50 centimes. Ça marche pas. Bon. Qui se charge de porter le micro dans le public ? Bon, Jérôme, t'es puni. Chihuahua ? Oui. Allô ? Non, on se passera la main. Voilà, tout à l'heure, tu as demandé qui, dans l'assistance, ne se servait pas de Google. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a des études qui ont été faites sur tous les sites web qu'on peut trouver dans le grand web mondial. Combien d'entre eux utilisent les services de Google AdSense et quelle est la proportion des sites web qui sont tracés par Google AdSense ? Est-ce qu'une étude a été faite là-dessus ? C'est une bonne question. On pourrait parler de ceux qui sont traqués par Google AdSense, mais aussi de ceux qui sont traqués par Google Analytics. Donc ça fait un paquet. La solution à ça, on la connaît, c'est NoScript. Il y a aussi, comment s'appelle-t-il, Disconnect, je crois, qui est la version logiciel libre de Ghostery. Non, bien sûr, bien sûr. Mais il y a ceux qui sont traqués par Google. Et là, oh, bah c'est bien. Tu fais vachement bien de Larsen tout seul. Et il y a ceux qui sont traqués par Google, il y a ceux qui sont traqués par Facebook, il y a ceux qui sont traqués par AdClick, par DoubleClick, par MachinClick, par MachinAd, par MachinBidule et par MachinTruc. Et quand on sert de nos scripts, on voit sur chacun des sites les plus légitimes, institutionnels, etc., les dizaines d'acteurs commerciaux qui vont insérer du code plus ou moins malveillant, qui a juste pour but de traquer nos faits et gestes. Non, je ne suis pas au courant d'études en la matière, mais ça fait évidemment partie du problème. Et les solutions qui viendront donner aux citoyens les moyens de reprendre le contrôle de leurs données personnelles sur leur comportement
dans le cadre de la navigation web, sont évidemment au premier plan parmi ce qu'il faut que l'on invente ou réinvente. Il y a des éléments de réponse. Maintenant, je suis... Ça marche ? Ouais. Je pense que vous m'entendez. Il y a des éléments de réponse à ta question, mais qui sont complètement biaisés. Ce que tu vas trouver comme étude, c'est une répartition des parts de marché en matière de publicité, par exemple. Sur les sites français qui ont recours à la publicité, 95% du chiffre d'affaires publicitaire est fait, ou 80%, je ne sais plus, au travers de Google. Ça, là-dessus, il y a des études. Mais ça te donne une vision partielle, parce que c'est en chiffre d'affaires. Ça ne dit pas à quel endroit tu es traqué, à quel endroit tu ne l'es pas. Et ça ne couvre que, on parle que du chiffre d'affaires en France. Il se trouve que le chiffre d'affaires dans tel ou tel autre pays est structuré différemment. En France, Google représente plus de 95% du marché des moteurs de recherche. On est presque une caricature. Alors qu'en Chine, curieusement ? En Chine, vachement moins. Même aux États-Unis, Bing représente une part moins nulle qu'en France. Bon, c'est pas mieux, hein, mais juste, c'est, Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Au moins, Bing ne croise pas les données de consultation de recherche avec celles de la cartographie et des images et de la traduction et des mails et des trucs et des machins. C'est vrai. Ça vient. C'est juste qu'ils ont du retard. Hein. Attends, ils rattrapent. Donc voilà, il n'y a pas de chiffres précis là-dessus. Oui. Qui a le micro ? Oui. J'ai une question, mais d'abord je veux réagir sur quelque chose que tu as dit par rapport au fait de se saisir. Tu peux préciser le tu Toi, ah. Jérémy Zimmermann. Ouais. J'ai pas dit ça. sur le fait de se saisir de ce qui se passe en ce moment pour vraiment lancer une dynamique et que ça soit vraiment ancré, je pense effectivement c'est important. Moi, je connais moins ces thèmes-là, en fait. Je suis venu surtout pour découvrir là, aujourd'hui. Et je me rends compte que, par exemple, si on prend, il y a 3 ans, Fukushima, on pensait que ça allait être le raz-de-marée vraiment pour qu'on se dise « mais c'est pas possible de continuer sur un truc comme ça ». On voit que même au Japon, ils reconstruisent des centrales. Donc, je pense que c'est vraiment très important parce que dans 3 ans, ça sera oublié. Ensuite, oublié pour la majorité des gens, je veux dire, il y aura toujours des gens qui seront hyper actifs sur ces sujets-là, c'est sûr. Et la question, par contre, c'était justement sur qu'en est-il du hardware libre ? Et effectivement, parce que le hardware, c'est des infrastructures immenses et comment s'affranchir du système actuel. Voilà, merci. Alors. Déjà, sur l'analogie avec Fukushima, elle n'est pas si mal que ça. En fait, les révélations de Snowden montrent que le Fukushima de nos données personnelles est en cours depuis à peu près octobre 2001, le vote du Patriot Act aux États-Unis. Donc la seule différence avec Fukushima, c'est qu'on l'a vu à la seconde où ça s'est passé. Et là, il a fallu attendre quelque chose comme 10 ans pour le voir. Mais l'analogie est loin d'être bête. Sur Fukushima, on a vu que des entreprises comme Areva ont immédiatement investi des dizaines de millions d'euros de communication dite de crise pour aller lancer dans la presse des spins, pour aller lancer des idées qui venaient contrer celles qui étaient en train de se diffuser. Et aussi, on a vu que dans certains pays comme l'Allemagne, Fukushima a eu un impact décisif pour impulser les politiques publiques et les engager une fois pour toutes, peut-être, en faveur des énergies dites renouvelables. Donc, là encore, il y a des nuances à apporter, mais la situation, effectivement, est similaire. Les Booz Allen Hamilton, et employeurs de Snowden et autres compagnies listées dans les spy files de Wikileaks, les centaines d'entreprises qui absorbent la majorité du budget du renseignement US et dans lesquelles se trouvent, je crois, la majorité des 950 000 citoyens américains accrédités top secret sont forcément aujourd'hui en train d'investir aux côtés des Google, Facebook, Microsoft, Apple, etc. dans de la communication qui va aller diffuser les spins que « Ah, de toute façon, tout le monde le fait. » Et de toute façon, si on n'a rien à cacher, on n'a rien à cacher. Et si c'est pour attaquer les méchants terroristes, alors c'est justifié. Et autre idée pernicieuse qui viennent ronger le fondement même de la définition que l'on a des libertés individuelles, de l'état de droit,
la séparation des pouvoirs, etc. Sur la question du hardware libre, qui ici a entendu parler de Bad BIOS ? Oh mince. Alors, je pensais que ça aurait été beaucoup plus. Bad BIOS, c'est le nom de code d'un logiciel espion qu'un chercheur en sécurité assez renommé a trouvé sur son ordinateur. Donc le mec organise des concours de « venez casser tel ordinateur si vous êtes un homme ou une femme ». Et donc ce genre très particulier de capture de flag en matière de sécurité informatique. Donc certains pourront dire qu'il l'a un peu cherché. Et il s'est retrouvé un jour sur son ordinateur avoir un comportement bizarre. Le truc bootait plus exactement de la même façon, il acceptait plus de booter d'un CD-ROM ou un truc comme ça. Et ça fait maintenant 3 ans qu'il est en train de faire des recherches là-dessus, pour s'apercevoir qu'il a un logiciel espion qui s'est introduit dans le BIOS de son ordinateur. Donc le premier élément qui est chargé à l'allumage de l'ordinateur et qui va ensuite aller charger le système d'exploitation, que ce morceau de logiciel espion, lorsqu'il est enlevé, lorsqu'on réécrit le BIOS, trouve moyen de se réécrire lui-même. Donc cela correspond peut-être à ces recherches qu'on a vues publiées il y a maintenant 1 an et demi sur les Permanent BIOS Attacks, où en plus d'écrire dans le BIOS, on écrit dans toutes les portions réinscriptibles ou reprogrammables des différents composants de l'ordinateur, dans la carte réseau, dans la carte vidéo, dans plein d'autres endroits que le BIOS, il y a des espaces pour réenvoyer des logiciels propriétaires qui sont le firmware ou le microcode, et qui, lorsque l'ordinateur s'allume, sont chargés. Donc si tu penses réécrire ton BIOS, bah, une fois que le BIOS se lit et que tu lis le firmware de la carte réseau, lui va aller réécrire le BIOS, et ainsi de suite. Et il n'y a aucun moyen de sortir de cette boucle-là. C'est l'architecture même du x86, c'est-à-dire les PC et les Mac, qui permet ce trou béant, impossible à réparer. Donc parmi les trucs un peu exotiques, il se trouve que ce bad BIOS franchit ce que l'on appelle les air gap. Voilà, air gap, c'est les espaces d'air, littéralement, que l'on laisse dans l'armée notamment, comme une mesure ultime de sécurité, entre d'un côté les ordinateurs qui sont connectés au réseau, et de l'autre ceux qui n'y sont pas. Et les documents confidentiels sont traités sur ceux qui n'y sont pas. Et certaines informations, éventuellement, selon une procédure bien définie, transitent de ceux qui n'y sont pas à ceux qui y sont, et ainsi, comme ça, on est sûr que les informations qui ne sont pas connectées ne se retrouveront pas sur le réseau. Eh bien, ce logiciel, apparemment, utiliserait tout simplement le haut-parleur de l'ordinateur atteint, qui s'apercevrait qu'il n'est pas connecté à Internet, pour émettre... Vous souvenez les modems à l'époque ? Émettre ça dans les hautes fréquences, en espérant qu'un autre ordinateur infecté quelque part, avec son micro, le capterait pour ensuite l'envoyer sur Internet. Ce truc se propage à l'aide des secteurs défectueux d'une clé USB. Toutes les clés USB contiennent un mécanisme qui permet de single out, d'exclure les secteurs défectueux et de les rendre invisibles au système. Pourtant, on peut écrire dedans. Et donc, on a là quelque chose qui est une arme de guerre, qui ne peut avoir été développée que par une superpuissance, qui est apparemment chiffré d'une façon qui le rend extrêmement difficile à analyser, qui est beaucoup plus élaboré que Stuxnet, qui jusqu'à présent était l'arme de guerre numérique la plus élaborée qu'on avait vue et qui servait à légèrement dérégler les centrifugeuses de l'enrichissement de l'uranium et du plutonium iranien. Et ce truc-là apparemment se balade dans la nature. Donc en théorie, ce que cela veut dire, c'est qu'on ne peut plus faire confiance à un ordinateur. Point. Alors, on pourra discuter, on aura des éléments d'information dans les semaines et les mois à venir sur est-ce que le mec est en train de délirer, de ruiner sa carrière, ou est-ce que ces éléments sont réels. Et j'ai hélas quelques éléments qui me laissent à penser que c'est pas complètement délirant. Et ces travaux sur les permanent BIOS attacks qui ont été publiés il y a 1 an et demi prévoyaient exactement ça. Après, ce qu'apporte Bad BIOS, c'est les mauvais secteurs de la clé USB et le fait de la communication dans les hautes fréquences audio, qui est un truc qui mathématiquement existe. Donc, ce que cela voudrait dire, on a peut-être là quelque chose qui nous vient du TAO, le Tailored Access Operations, qui est ce service de la NSA, le Tailored Access, donc l'accès sur mesure, où on va développer des outils pour aller pénétrer le système de telle ou telle personne une fois qu'on a essayé tout le reste. Donc sans doute l'attaque la plus élaborée, la plus coûteuse, celle qui a le plus haut coût
parce que le risque de se faire pincer est le plus élevé. Donc quelque chose qui n'est pas utilisé très souvent. Rassurez-vous, vous n'avez peut-être pas tous encore BadBios installé dans votre BIOS. Mais cela montre que pendant trop longtemps, on s'est appuyé sur une architecture qui est pleine de failles. Et que même les systèmes que l'on considère comme les plus libres et les plus ouverts aujourd'hui, comme le Raspberry Pi, contiennent des éléments comme la puce Broadcom, qui s'appuient encore sur ces logiciels propriétaires, ces firmware, et qui sont basés sur l'ARM, dont je crois on n'a pas encore toutes les spécifications, mais je me trompe peut-être là-dessus, bémol. Donc tout reste à inventer. Moi j'avais aussi d'abord un commentaire, puis ça débouche sur une question quand même par rapport à vous. Même malgré les révélations qui ont été faites récemment, je ne suis pas aussi optimiste que ça, parce que quand on regarde les 10 dernières années et l'évolution de ces technologies, effectivement on se rend compte que toute la croissance de l'informatique et notamment des services internet, c'est finalement basé sur la possibilité d'être surveillé, sur la confiance totalement aveugle que les gens faisaient dans les technologies, et sur, même quand ils avaient envie de dépenser de l'argent sur la sécurité, sur le fait qu'ils le transféraient probablement dans les mauvaises directions. Donc, vis-à-vis de la sécurité informatique, quelque part, c'est pas très encourageant, hein, le côté défense, le côté protection. Et à l'inverse, c'est ce qu'on voit aussi là, c'est que une grande quantité d'argent, en termes de millions de dollars, a été dépensée sur tout ce qui est la cyberdéfense. Ce qui finalement montre que la totalité des efforts, de la notoriété, va en destination de ceux qui cassent les systèmes. Ce qui n'est ni très louable ni très difficile, en fait, c'est plus difficile de les protéger que de les casser. Et à contrario, on a du mal à mobiliser le grand public sur des systèmes de protection, quand au contraire, la première image qu'ils ont, c'est que c'est trop compliqué, ou que c'est pas pour eux, ou que c'est pas utile, ou que c'est pas si grave. Ou que, bon, c'est vrai d'ailleurs, à certains moments, qu'ils font des révolutions avec Facebook. Bon. Donc qu'est-ce que vous envisagez pour essayer d'inverser cette tendance et puis de prendre le problème dans le bon sens, parce que depuis 10 ans j'ai l'impression qu'on le prend dans le mauvais sens. Il y a un élément sur lequel je vais répondre à la place de Jérémy. Je pense que c'est un des éléments de la notion de cyberpaix. On fait comprendre aux gens, mais c'est très, très massif dans la communication publique, qu'il y a des besoins de cyberdéfense, il y a des besoins de cyberguerre, il faut qu'on puisse attaquer les ennemis, il faut qu'on puisse casser les ordinateurs des puissances armées ennemies, des méchants, des terroristes, etc., etc. Dans la notion de cyberpaix, il y a le fait qu'il faut qu'on puisse développer des ordinateurs dans lesquels les utilisateurs des machines aient confiance. C'est, à mon avis, une des voies centrales, et là-dedans, il y a le fait de développer les outils qui permettent de protéger les machines contre les agressions. Ça peut être un axe de développement retenu par l'Union européenne parce que c'est quelque chose qui est audible. C'est-à-dire que c'est un secteur sur lequel il y a du travail à faire, sur lequel il y a des entreprises à développer, donc sur lequel il y a potentiellement de l'emploi. Et si on développe des technologies dans lesquelles tout le monde peut avoir confiance, Dieu seul sait comment, mais si on développe des technologies dans lesquelles on peut avoir confiance, on sait que les clients ne manqueront pas sur Terre. Des gens qui veulent se défier de l'espionnage américain, si on trouve quelque chose qui marche et qu'on arrive à le commercialiser, on sait que les Chinois en achèteront. La grande question, c'est comment est-ce qu'on leur prouvera que nous n'avons pas plombé le système. Mais si on n'est pas capable de prouver que nous n'avons pas plombé le système, alors on ne peut pas avoir confiance dedans et donc ce système est un échec. Un des éléments essentiels, ça va être de permettre de mettre en œuvre des collaborations entre des intérêts qui, a priori, n'ont pas d'intérêt à agir ensemble. Que l'ANSSI française puisse agir avec l'ANSSI brésilienne et avec l'ANSSI italienne et avec l'ANSSI de je ne sais pas où, et avec telle entreprise et tel groupe d'associatifs barbus. Il y a une demande de micro là-bas. C'est quelque chose qu'il va falloir que l'on puisse faire émerger pour justement, à la fois renforcer ses capacités à élaborer les outils et en même temps renforcer la confiance mutuelle comme dans une espèce d'équilibre de la terreur, où si on sait qu'il y a à la fois l'ANSSI brésilienne et l'ANSSI française qui ont bossé sur le machin, alors que les deux pays auraient théoriquement un intérêt à espionner l'autre et à se protéger contre l'espionnage de l'autre,
alors on pourrait y accorder notre confiance. Et ça veut dire qu'il va falloir que l'on arrive à faire entrer dans nos modèles de développement des organismes dont on n'a pas, avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, d'une part. Et si je rejoins évidemment Benjamin sur ces aspects-là, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en train d'essayer d'avancer, de défricher cette notion de cyberpaix avec notamment des chercheurs au Berkman Center Harvard. Ça, c'est pour les aspects macro. Et les aspects macro, il est évident, il est essentiel que l'on les défriche, mais tout le monde ne va pas forcément dépenser du temps ou de l'énergie là-dessus. Moi, j'aimerais rappeler qu'en face de ça, il y a les aspects micro. Alors, sûr, ce n'est pas un échantillon représentatif, mais j'ai beaucoup parlé de tout ça avec ma mère. Ma mère est juge, donc elle n'est pas du tout versée dans la technologie. Et au début, quand je lui parlais de tout ça, elle était bouée. Et puis un beau jour, elle a compris le logiciel libre. Et puis je lui parlais de tout ça, elle était bouée. Et puis un jour, elle a compris la neutralité du net. Et puis je lui parlais de tout ça, elle était bouée. Rien à cacher, terroriste, tout ça. Et puis un jour, elle a compris la surveillance massive des citoyens comme un danger démocratique majeur. Donc, je sais que tout le monde n'est pas aussi intelligent que ma mère. Peut-être que tout le monde n'a pas la même capacité de persuasion que la mienne. Mais le fait est que c'est vraiment un cerveau à la fois, une personne à la fois, que cela se fait. Et que si vous parlez à 10 personnes et que vous arrivez à en convaincre une, et que cette personne va parler à 10 personnes et arriver à en convaincre une, etc., 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 je ne vois rien de plus puissant que ça. Donc oui, penser à comment changer le monde, on va le faire. On va le faire tous ensemble. On va ouvrir des wikis, des comments, des pads et des choses pour essayer de maximiser la participation là-dessus. Évidemment, comme sur l'ACTA, comme sur le paquet télécom, comme sur l'Adopi, comme sur tout ce qu'on fait, comme sur le moindre bout de logiciel, on ne va pas diffuser quelque chose sans appeler à commentaires. On ne sera jamais sûr de quelque chose sans que tout le monde ait eu l'occasion de s'exprimer, de contester, de troller, de discuter, etc. Et c'est comme ça que l'on forme nos opinions, c'est comme ça que l'on forme nos analyses, et c'est comme ça qu'on est sûr sur nos jarrets quand on va à l'action. Mais il faut encore une fois repenser à cet aspect micro, à cet aspect individuel. Demain, c'est dimanche, si vous êtes dans votre belle famille, parlez de ça à table. Et parlez de ça à table et maintenez un argumentaire jusqu'à avoir convaincu les gens autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la belle famille parce que ça peut créer des conflits. Quoi. Faites-le au boulot, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire. Bêtement, vous avez une occasion qui arrive dans un mois, hein, c'est Noël. C'est l'occasion de parler à Tata Jeannette. Il n'y a pas Noël chez le Flying Spaghetti Monster, mais je vois ce que tu veux dire. Ah bah si, c'est une fête commerciale, il y a partout ça. Donc voilà, c'est l'occasion d'aborder ce type de sujet avec les gens avec qui vous n'en parlez pas. Si vous en parlez entre vous, les piliers de Theta Neutral ou de Tout Libre, ou de, etc., quand vous en parlez entre vous au bistrot, ce n'est pas très utile, vous êtes tous déjà convaincus. Ah si, c'est quand même utile. Ça fait du bien. Ça, et puis ça aide à affûter les arguments. Ça aide à affûter les arguments, c'est vrai. Mais voilà, le bon moment où utiliser les arguments que vous avez affûtés, c'est la causerie à Noël. Loïc, c'est toi qui as le micro ? Non, il est où ? Il est où ? Okay. Parle-en au parti pirate. Lol. Parle-en à Françoise Castex. Il sert à quoi ce micro ? Il y a le micro qui est là. Donc, moi je voulais revenir sur la confiance. Vous avez beaucoup parlé de confiance. Je pense qu'on avait compté le nombre de fois où vous avez parlé du mot confiance. Par exemple, tu disais, est-ce que tu avais confiance en ton installation de Debian sur ta machine ? Je pense que j'ai dit moins que chier putain. L'idée, c'est que moi, je me dis que pour avoir confiance dans Debian, par exemple, je fais confiance aux experts. Comme toi, tu dis, a priori, s'il y avait eu un problème dessus, ça aurait été vu par des millions, des tonnes de personnes. Donc, a priori, la confiance, je ne suis jamais certain de l'avoir. Donc, tu disais juste avant, on ne va peut-être jamais trouver de solution qui nous permette d'avoir entièrement confiance en quelque chose. Donc comment est-ce qu'on se positionne là-dedans ? Comment est-ce que je me dis que moi, pour l'instant, il y a plein de contextes où je fais confiance par défaut.
Je fais confiance parce que pour l'instant, il ne s'est rien passé de mal. Je fais confiance parce que j'ai pas, parce que je reçois des cadeaux. Ou, tu vois, c'est toute la confiance que tu positionnes, mais qui n'est pas forcément... rationnelle ou légitime. Transparente. Tu as une grande part de, là-dedans qui est pour le coup une notion assez ancienne. Tu ne peux pas faire confiance à un système qui n'a pas été audité. En fait, tu fais confiance dans la personne qui a fait l'audit du système. C'est une des raisons pour lesquelles, en matière de sécurité, comme dans à peu près toutes les autres matières, on ne peut pas faire confiance à un logiciel propriétaire, parce que seul son auteur sait ce qu'il fait, et encore, dans les meilleurs des cas, et il ne te dira jamais ce que ça fait. Il te dira ce que dit le prospectus commercial dans lequel tu peux avoir confiance comme dans n'importe quelle publicité. Donc voilà, ça c'est une limite connue du système. C'est-à-dire si tu veux générer de la confiance dans un système de sécurisation informatique, la seule solution c'est qu'il soit entièrement ouvert. Pas un petit peu, pas deux, trois publications scientifiques, mais entièrement ouvert. C'est-à-dire typiquement si on est sur des briques logicielles, ne pas livrer de binaire, ne livrer que des sources. C'est un exemple d'éléments dans lesquels on peut commencer à mettre de la confiance. Si le source fonctionne quand il est compilé par plusieurs personnes selon plusieurs méthodes et produit le résultat attendu et que les gens qui l'ont audité constatent que ça marche, ça augmente le capital de confiance du truc. Ce qui fait que tu peux en moyenne avoir plus confiance dans une solution de logiciel libre que dans une solution de logiciel propriétaire, c'est le fait qu'il y a une probabilité plus élevée que le code ait été regardé par des gens différents venant d'horizons différents, cherchant des problèmes différents. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux. Ça veut dire que tu peux avoir un peu plus confiance dans le fait que c'est plus probablement fait pour faire ce qu'on croit. C'est que dans ce sens-là que ça peut marcher. Ça, c'est un élément. Ce n'est pas le seul. Mais celui-là est fondamental. Et s'il n'y a pas celui-là, il ne peut pas y en avoir d'autres. C'est-à-dire que toute solution de sécurité pour que tu aies confiance dans ton ordinateur, qui n'est pas basée sur une totale transparence, j'explique un autre détail. Il n'y a pas que la notion de logiciel dont on est les sources. Le problème clé dans les histoires dites de baseband, c'est-à-dire la puce qui gère l'accès au réseau GSM dans ton ordinophone. Un des problèmes clés, c'est que ce machin est couvert d'une chier de brevets de tous les pays de la Terre. Il y en a des pleines caisses chez Nokia, il y en a des pleines caisses chez France Télécom de brevets sur le GSM. Il y en a de partout. Et donc, en fait, réécrire le bout de soft qui gère ça, non seulement techniquement, c'est chiant, mais en plus, c'est crevu de brevets partout. Et donc, Ça crée des emmerdes juridiques. C'est-à-dire, si tu veux écrire un bout de soft qui gère ça, il va falloir que tu te paluches toute la pile des emmerdes juridiques qui vont avec et des royalties qu'il faut livrer sur tout et n'importe quoi, etc. etc. Et donc, personne ne veut le faire. Et du coup, il n'y a que deux ou trois implémentations qui existent, qui sont toutes totalement fermées, donc dont personne ne sait ce qu'elles font. Si, sur ces normes-là, tu fais sauter toute la couche de brevets et que tu publies les implémentations, très rapidement, on saura ce que ça fait. On va en découvrir des drôles, de deux variétés. On va découvrir plein de bugs. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens qui font des audits sur ces systèmes-là et qui travaillent en aveugle, entre guillemets, c'est-à-dire que soit ils ont des sources qui ont fuité, soit ils travaillent réellement en aveugle en faisant de l'ingénierie inverse, ils trouvent des bugs, mais par pleine caisse. Quand ils cherchent, en faisant des injections aléatoires, pour voir comment se comporte le composant quand on lui met tel signal électrique sur telle pin, ou tel autre signal sur tel autre pin, et puis qu'on analyse tout ça, ils trouvent des centaines de cas dans lesquels ça plante. Et bien évidemment, c'est jamais corrigé, puisque le truc est complètement fermé, t'envoies quelque chose au fabricant lui disant « j'ai fait ça dessus, ça a fait n'importe quoi », il va répondre « c'est pas dans les specs ». Voilà. Il va pas corriger. Il y en a une bien bonne là-dessus. Et donc, quand je parle de libre, je parle pas que du fait qu'on ait les sources et qu'on puisse reproduire un binaire. Il faut aussi que ce ne soit pas tout crevu de brevets, sinon on ne peut pas bosser. Sinon, une boîte qui veut repartir des sources en question et compiler et reproduire son binaire, etc., ne peut pas avancer.
une boîte qui veut auditer pour trouver les failles et corriger des failles et contribuer une correction de failles sera aussi emmerdée par une pile de brevets. Donc c'est un tout. C'est pas seulement open source. Open source ne suffit pas. Il faut en plus enlever tout un tas de merde juridique autour. À l'heure actuelle, tu as tout un tas de normes dans le monde des télécoms que tu n'as pas le droit d'implémenter pour des causes de brevets. J'en ai une bien bonne. Sur la confiance dans le hardware, on a tous entendu cette histoire de, je crois que c'était l'armée anglaise ou l'armée américaine peut-être, qui avait commandé des équipements réseau d'une marque bien connue, et les trucs venaient de Chine. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, on va regarder les puces. On va regarder, on va essayer de faire une espèce de fingerprint de ce qu'il y a dans les puces pour s'apercevoir que, oh ben c'est bizarre, sur ce qu'on vient de recevoir pour nous l'armée, en fait, il n'y a pas la même chose dedans que ce qu'il y a d'habitude dans les puces. Et puis d'autres qui ont fait, là je crois que c'était clairement que c'était des Anglais, qui ont fait un reverse engineering de malade sur certaines puces qui étaient en charge de générer des clés de chiffrement et de les garder pour s'apercevoir qu'il y avait apparemment des fonctions en plus que les fonctions qui étaient censées s'y trouver, et qui, en cherchant, en activant quelle patte, en envoyant quoi dans quelle patte, il se passait quoi, ont réussi à trouver une fonction qui disait « donne la clé de chiffrement ». C'est le contraire de ce pour quoi c'est fait. Ça, on savait déjà ça. Qui, parmi vous, a entendu parler du doping des transistors ? Ça sonne comme le dopage, il y en a beaucoup d'entre vous, parce que je sais que Toulouse est une ville d'ingénieurs, où des gens ont publié, pour répondre en fait à la question, retour à cette question-là, puis j'y reviens, sur la question du hardware, des gens ont montré que par des émissions très précises de radiation, on pouvait toucher certains transistors dans une puce et altérer leurs propriétés chimiques pour changer la façon dont ils réagissaient. Ou au lieu de renvoyer 0, ils renvoient 1 ou inversement. Et donc de là, on pouvait affaiblir, non pas désactiver, mais affaiblir la qualité de certaines fonctions, comme par exemple un générateur de nombres aléatoires indispensable à la qualité d'une implémentation cryptographique. Et de là, faire en sorte que le générateur de nombres aléatoires, qui normalement fait 128 bits, se retrouve à faire 30 bits. Et qu'en faisant 30 bits, il a l'air d'être globalement aléatoire. Il passe le test NIST de la NSA et des institutions américaines, donc il est aléatoire. En réalité, il ne l'est pas, il est beaucoup moins. Donc ça, c'est sur la question du hardware et la question de la confiance. Quand bien même tu aurais confiance dans un hardware, il se peut qu'une version de ce hardware, qu'une puce parmi toutes, puisse être altérée. Et on n'a aucun moyen technologique aujourd'hui de détecter cela. Aucun. Et la question que tu poses, au-delà des implémentations, des brevets, de tout ce qui peut être en travers de cette confiance. La question que tu poses véritablement ici, c'est le fait de réarchitecturer notre conception de la confiance. Que veut dire confiance aujourd'hui ? On a appris à faire confiance aux marques qui sont présentes dans notre cerveau. On te répète Auchan, Danone, Danone, Danone. Et mécaniquement, d'un point de vue neurocognitif, on sait que tu vas faire confiance à mesure que le truc a été envoyé dans le cerveau. Ça, c'est une chose. De l'autre, on sait que la confiance, à la base, c'est quelque chose qui existe entre les individus. Deux personnes se rencontrent, trinquent, discutent. Il y a des choses qui passent entre les yeux, qui est de l'ordre de la communication non verbale, et éventuellement, s'instaure ou non la confiance. La confiance, ça met du temps à s'instaurer, et ça se brise en une fois, et une fois pour toutes. Donc, déjà, entre êtres humains, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Il y a quelque chose d'un petit peu, je ne vais pas dire mystique, mais qui va un petit peu au-delà de la rationalité, au-delà de ce qu'on est capable d'expliquer. Mais alors, quand il s'agit de faire confiance à des entreprises, ou à des objets technologiques qui sont d'une complexité telle qu'aucun être humain sur Terre n'est capable de les comprendre dans leur intégralité, là, on a vraiment un problème. Et on parle, effectivement, pourriez fermer la porte ? Non ? Ah bon ? Pardon ? On est sur l'apéro, en fait. Ah oui, c'est ça. Ah oui. D'accord, on arrive. Donc cette question... Dans moins d'une heure, on a fini. Ouais. Cette question est évidemment fondamentale. On ne sait pas comment faire confiance à une entreprise. On ne sait pas comment faire confiance à un logiciel. On ne sait pas comment faire confiance à un matériel. Et il faut aujourd'hui inventer les procédures
de la confiance. Et c'est pas juste savoir qu'un GUS qu'on aime bien a audité le code source de tel machin, mais mettre en œuvre des moyens d'auditer, de réauditer, de ré-réauditer, de contre-auditer, de co-auditer, de crowd-auditer. Et je pense que ces choses-là n'existent pas ailleurs que chez les militaires aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que les militaires dans beaucoup de pays, comme les financiers dans beaucoup de pays, comme des entités à gros budget dans beaucoup de pays qui étaient avant hors de nos radars, ont aujourd'hui le même intérêt que nous à obtenir des produits, des logiciels, des matériels dans lesquels ils peuvent avoir confiance. Et c'est par là que passera l'établissement de cette cyberpaix, j'en suis convaincu. Je vais faire très vite parce que tout le monde a envie d'aller au buffet. Parce que l'apéro est servi. Je fais partie des gens qui, peut-être par paresse, utilisent encore Facebook, Google, Windows 8, 7, voilà. Désolé. Et par ailleurs, je suis militant politique au parti de gauche et on n'est pas nombreux, mais on travaille aussi ces questions, on essaie d'avancer ces questions et on voit bien qu'il y a un gros problème générationnel, qu'il y a un gros problème d'appropriation des connaissances sur le sujet et tout, parce que c'est l'informatique, c'est réservé aux experts. J'intervenais juste parce que quand j'entends tout ça, moi, ça fait écho à d'autres choses sur lesquelles j'ai eu des combats. Quand on parle du problème de la confiance, ça fait tout à fait écho à la confiance politique. Je crois qu'il n'y a pas grand monde dans cette salle qui a confiance en ses élus politiques, moi non plus. Mais ça vaut le coup de faire le parallèle, parce que comment ça se fait qu'on fonctionne dans une société où on n'a pas confiance en nos élus, où on ne peut pas avoir confiance en nos machines, qu'est-ce qui nous reste? Et c'est là où je pense que le problème du libre doit dépasser le problème de l'informatique, doit dépasser cette question-là. On parlait des brevets et du non-contrôle sur les logiciels. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, le problème des brevets se pose sur le vivant, sur les semences, sur le fait que les paysans aujourd'hui sont complètement liés à des multinationales et que les mêmes multinationales cherchent à faire de l'argent, tout comme les multinationales Microsoft et compagnie cherchent à faire de l'argent. Je vais te faire abattre par l'imagrin. Et je déconne pas. Hein. Dans tous les cas, peut-être qu'on prend le micro. Dans tous les cas, voilà, je voudrais rappeler ça, qu'il y a vraiment un énorme boulot à faire sur la partie prise de conscience générale de la population. Je pense que tous ceux dans cette salle, allez-y, parlez autour de vous, parlez et parlez simplement. Montrer comment c'est simple de passer à tous ces logiciels, parce que même moi qui essayais Linux, qui essayais d'autres moteurs de recherche, j'en suis revenu parce qu'à un moment donné, j'étais seul, j'étais machin, et c'est souvent ça, et soit on se retrouve souvent isolé, soit on est obligé de suivre la masse, parce que c'est un effet moutonnisme. Donc voilà, c'est juste pour donner toutes ces histoires-là. Je pense qu'à un moment donné, comme tu dis, la solution, ce ne sera pas nécessairement techniquement qu'on soit tous capables de nécessairement contrôler ça, mais au moins que tout le monde ait connaissance de qu'est-ce qu'il y a à contrôler, et ça, c'est une solution politique. Merci. Quel que soit le parti, quel que soit l'engagement au sein des partis ou non, je pense que ça résonne. Un apéro. Alors. Voilà. Applaudissez l'apéro. Applaudissez l'apéro.